Salut tout le monde, c'est Vilains5, j'espère que vous allez super bien, car moi ça va super. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, dont aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction sur Parole de chat, comme d'habitude, on se fait plaisir. Et voilà quoi, c'est ma première vidéo de mes 23 ans, dont j'ai dû fêter mon anniversaire la dernière fois, tout s'est bien passé, c'était cool, tranquille. Bon, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur Parole de chat, j'espère que ça va vous plaire. Le son est à fond, c'est parti, bienvenue à tous, c'est Vilains5 en direct ou pas. Et je vais mettre le deuxième. Past 1955, un chat en fin de vie. Oh. Ich bin ein Jungfrieden, qui a connu bien des batailles und bien des honneurs que je ne mérite nicht. Ach, j'ai même mon portrait au musée de la marine. Alors que la chute que j'ai faite, c'est m'accrocher à la vie. Je suis né en Allemagne nazie. Mon maître était un SS cruel. Mais je l'aimais bien. Les chats ne sont pas politiques. Nous livrons la main qui nous nourrit. Nous sommes d'incorrigibles gourmands. Ça, c'est sûr. Ich bin eine bombe pépère, comme on dit. En mai 1941, j'embarque sur le Bismarck. Schnell! Ja, mein Commodore! Je veux que ma bouche, le Katz du Führer, soit fier de moi! Ma bouche. Voici les plans en Dodora. Désolé, j'ai un peu griffé les bourres. Les moustaches des chats détectent les variations d'air. D'adulte grâce à elles que je vais anticiper les attaques. T'es sérieux? Il ne vaudrait pas mieux utiliser nos radars? Comme les torpilles se déplacent dans l'eau, une moustache exceptionnelle. Elles arrivent à percevoir n'importe quel mouvement dans l'espace. Je peux vous dire que Churchill est en train de se curer le nez en ce moment même. Après un naufrage, la faute n'a pas de chance. Et je suis sauvé par le HMS Cossack. C'est quoi ça? Comment t'appelles-tu? Sam. Sam. Je vais t'appeler Oscar. Sur ce nouveau bateau, je me sentais bien seul. Scheiße. Scheiße. Enfin, j'étais sur le pont de la première classe. Yeah. Bip bip bip. Attendez. Je crois que j'ai repéré quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est de la camélote, droit devant. À Camelot. Mais par toi, sale chat. Mais tchoum. Je veux un câlin. Pourquoi il nous parle de Robert Mitchum d'un coup? C'est pas le moment de parler cinéma. Quelle est la situation? Il y a un nouveau naufrage dans lequel ma responsabilité est de zéro. Oh oui. Je suis sauvé par l'arc royal à une grosse porte-avions. C'est le chat de Bismarck. Il a de nouveau survécu. C'est incroyable. Il est insubmersible. Ah oui. Je peux le caresser. Je fais encore du poison, mais il est fait le filet dans ta chien. C'est incroyable. Quel chat extraordinaire. Wow. Quel chat extraordinaire. Même si on s'en bat les couilles. Je vois du village dans l'air. Attendez mon signal. C'est imminent. Ich bin ein Chat insubmersible. D'où tu es tu? Je m'appelle Canel. Je suis médium. Je peux prédire les attaques. Et c'est moi qui commande ce vaisseau. Tokar. Cet immense porte-avions est trop petit pour nos égaux démesurés. Captain, on entend un bébé qui pleure. Quels sont les anges? À une troisième naufrage, mais fin à une sincère amitié. Canel, mein Freund. T'es sûr qu'il n'y a pas la place pour deux? Désolé, Canet. Titanic style. C'est de la guerre et de la cruauté. Je me suis exilé ici. Ah oui. La prochaine fois, je vous raconterai le jour où j'ai griffé le général de Gaulle. Que des conneries. Transition avec un chat réel. Le festival des chats, vendredi 4 octobre. Ouais, mais ça c'est déjà passé. On est en 2020. Cette histoire était vraiment très très intéressante. Alors, on va s'en regarder une petite deuxième. Sur Parole de chat. Avec un fauteuil pour deux. Un fauteuil pour deux. Et pourquoi pas pour trois? Connard. C'est ma place. Ça commence bien. Non, je suis pas payé. Arrêtez enfin! Prenez une autre place, puis c'est tout. Wow. Hey, j'étais là avant, je vous signale. Tu sais ce que je leur fais aux petits squatteurs? Non, quoi? Je leur mords les fesses. Oh,
ça se fait pas. Pour ça, t'es dégueulasse, monsieur. Je t'emmerde. Je resterai ici jusqu'à ce que tu je te montrerai le cul quand je veux. Et que tu dégages. Non. J'ai tout mon temps. Eh ben vas-y, fais ton plaisir. Mais dégage, putain. C'est ça, prendre son temps. Vas-y, fais te taper. Espèce de taré. Ouais. Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Chat. Attention. Chat. Ah, non. Je vais appeler un responsable. Ouais, je suis le responsable. C'est pas bien, monsieur. C'est pas bien ce que vous faites. Ta gueule. Ta race. J'ai pété ta gueule. Fou. J'attendrai que t'ailles aux chiottes. Et je te piquerai ta place. Il m'en fout. Non, monsieur. Non. Tu es réservé. Eh, ça va. Oh, le. Tu peux bien me faire une place. Un petit peu. Non. J'attends tous mes amis. Bah, ils voilà. Sont tes amis. Vas-y. Je me mets sur tes genoux si tu veux. Ah, ça non! T'es allergique? Je gâte les places! Ici, là-bas, ici. Punaise. Pardon, monsieur! Mais j'y vois rien! Mais, on va se calmer. Bah non! Parce que vous êtes devant! Mais tu peux voir comme vois ça? Rien. Alors, ça sera comme mais il peut voir debout, mais c'est quoi ce chien? Grave. Ça va. C'est doux. Puis-je, s'il vous plaît. Bah vas-y, essaye pour voir, espèce de pervers. J'ai envie de te taper. Boire là. Vous avez été invité? Vous avez une invitation? Non. Alors tu dégages. Partons, putain. Je peux te voir. C'est VIP ici. Ok. Non. VIP, ça veut dire vite, allez, les pipi. Mais c'est un lapin ou? Et le premier qui approche cette invitation, je te fonce sa gueule. Formidable. Ah, allez. Justement, le festival des chats. Alors, c'est quand? C'est alors, moi je sais, c'est le 4 octobre. Voilà. C'est déjà passé, c'était 2019. De 20h à 22h, peut-être plus si vraiment la fête veut continuer la même. C'est une reprise d'une fête de l'Antiquité qui était faite il y a 3000 ans. Et c'était le stop de l'époque, tout le monde fêtait les chats. Et je me suis dit, tiens, à l'occasion de la sortie de mon roman Sa Majesté des chats, on va relancer cette fête. Et ah ouais. J'espère que ça va être comme ça un rendez-vous nouveau où on va honorer cet animal extraordinaire. Ouais, bon, on va s'en arrêter là hein, parce que c'est un peu trop long. Et alors, on va passer maintenant à. Je crois qu'on les a tous vus, je crois, non? Ah, respect, c'est parti. Parce que c'est un peu trop long pour le festival des chats et tout. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Wesh, ma gueule! Quelle galère, je me suis encore foutu. Eh hey, monsieur, reviens. Eh, hey, tu vas où là? Reviens. Non mais c'est bon. Vas-y bâtard, je te fais peur ou quoi? Mais reviens putain. C'est bon. Non mais... Eh hey, bouffon. Arrête-toi. Arrête-toi, je te dis. Je te donne l'heure, enculé. Je te fais flipper ou quoi? Non mais, c'est juste que... je dois y aller en fait. Voilà. Salut. Eh hey, bâtard. Pourquoi tu... Bâtard. Tu vas où là? La pluie de ma mère, je te défonce la tête si tu t'arrêtes pas. Tu m'as demandé l'heure, je te donne l'heure, ok? Ok, il est très exactement. Merci, reviens! Reviens, je suis pas ton pote! Je suis pas ton pote! T'as pas de respect! Attends, il est 7h! Hein? 7h? Mais je suis super en retard! Mais attends, arrête-toi! Mais quoi encore? La prochaine fois que tu me manques de respect, je te défonce ta face! Moi aussi, je te défonce! Fils de putain! Allez, oh, on va mettre celui-ci. Ce sera la dernière vidéo, je crois. Molos. Voilà. Tu sais que c'est bientôt Noël. Oh bon? Ça veut dire, il va venir le Père Noël? Je sais pas. Si, il va venir. Hein? T'as été sage? Non. Ah oui. Je suis gentil. C'est t'as pas vrai. T'as travaillé à l'école? Ah non. Non. T'as mordu personne? Si, moi. Il m'a mordu juste moi. Un petit
Mordillou. Parce que tu sais, le Père Noël. Oui, il est gentil, Père Noël. Non. Ah oui, mais il faut avoir été sage, hein, si tu veux qu'il t'apporte un cadeau. Oh, si j'ai pas mon cadeau, je lui pète la gueule. Je sais pas. Un petit nanas? Ouais. Ça, non. Un gros nanas? Oh, oui. Un nanas géant? Géant? Oui. Ou une babale? Babel. Petite babel. Oh, petit bichon. T'hésites entre le nanas et la babale? C'est ça? Ouais. Oui. Tu sais quoi? Si quoi? T'es bien sage, t'auras peut-être les deux. Il est gentil, Père Noël. Wow, gentil Père Noël. Et casse-couille, oui. Bon, allez, je vais vous mettre une dernière vidéo de plus, c'est pour vous faire plaisir, voilà, une petite dernière. Petit chat? Non. Bonjour. Non. Tiens, voilà du boudin. Ouais. Il est con, lui. Jouer à ce que je te donne des baffes, hein, connard. Ouais, connard. Tiens, hop, hop. Non, mais moi, je pensais à un jeu, tu sais. Mon jeu, c'est sauter comme ça, hop. C'est quoi ça? Regarde, ah non. Comme ça, hop. Ah, t'as vu? Ouais, c'est bien. Et hop, hop, et hop. Allez, à toi. Non. Faut sauter. Allez. Non. Ouais. Je vais te faire sauter ton permis de saouler, moi. C'était pas très... T'es mon meilleur copain. Alors à quoi on joue? On joue Mais à je suis pas ton pote. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée de jeu pour Là. Toi. Oh oui, un jeu? C'est quoi? Ça s'appelle cache-cache. Ah, c'est quoi cache-cache? T'écoutes, oui? Oui. Alors voilà. Toi, tu comptes? Oui, ah, j'aime bien compter. Et moi, je disparais. Je peux compter en sautant? Bon, bah voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura beaucoup plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche. Hein? Donc, pour la prochaine vidéo, je verrai quand est-ce que je pourrai la faire. Si j'ai du temps libre, bien sûr. Donc, bah, si j'ai du temps libre, je ferai une petite vidéo. J'essaierai de faire... revenir Jean-Jacques, parce que c'est vrai que ça fait un bon bout de temps qu'il est parti en vacances et il serait temps qu'il revienne un peu, le petit Jean-Jacques, hein. Mais vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo il reviendra, c'est promis. Donc pour moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Bidens5, ciao à tous et surtout passez une très bonne journée.